crochet, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, comme promis, on va faire le pull avec le diagramme que je vous ai proposé lundi. Donc voilà, je l'ai fait sur les manches et je l'ai fait central. Alors c'est un diagramme en crochet mosaïque en rond. Voilà. Après, j'ai fait quelques petits détails au niveau du cou et aussi en bas. Je ne vais pas parler trop longtemps, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cet ouvrage, les amis, moi je vais utiliser la cachemire. La cachemire, c'est un fil merveilleux, magnifique, que j'adore. C'est du 100% cachemire, donc je vous laisse imaginer la qualité du fil. Alors forcément, c'est un peu cher. La pelote, elle pèse 25 grammes et mesure 95 mètres. Vous allez voir travailler avec de toute façon. Si ce fil n'est pas dans vos moyens, moi le fil que je vous propose pour remplacer, c'est la Justin Baby par exemple. C'est deux couleurs, je trouve ça très joli. Il faut que les fils soient contrastants. Sinon le point, on va pas le voir et c'est vraiment dommage de passer à côté. Par exemple, ils ont aussi du gris foncé dans la Justin Baby, mais là j'en ai pas, donc... Mais j'aimais bien aussi avec le rouge et le écru, j'aime bien. On va avoir besoin également du diagramme au moment où, où on va l'utiliser, bien sûr. Vous allez trouver pareil en barre d'infos le lien. Vous allez pouvoir l'imprimer à la maison et suivre pas à pas avec moi cette étape-là. D'accord ? Mais on arrivera là au moment voulu. On va avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux, d'un crochet. Alors pareil, je vous conseille de crocheter ce genre d'ouvrage avec des crochets petits. 3, 3,5, 4 maxi. Donc là c'est une taille 3,5 qui est une taille qui est parfaite pour ce fil hein, qui est à crocheter entre 3 et 4. On va avoir besoin d'une paire d'une aiguille à tricot et de marqueurs de rang. On va commencer par le top down. Alors moi j'ai fait une chaînette de 124 mailles en l'air qui correspondent au contour de mon cou. Donc il est composé comme ça en fait le top down. On va démarrer d'ici et on va faire 4 augmentations. Ça c'est pour les manches, les 20 mailles en l'air de chaque côté. Pour le devant, 40 mailles en l'air et pour derrière, 20 et 20. Une fois qu'on a la chaînette, on va venir maintenir bien droite les mailles. Et on va fermer en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et on démarre, on va travailler des mailles serrées, donc on monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. On va poser un marqueur ici de couleur de couleur rouge, comme ça je sais où démarre et où termine le tour. Et on va faire 20 mailles serrées. Pardon, et on a une maille serrée, 2, 3, et je vais cacher le petit fil en même temps, 4 et 20. Dans la maille en l'air suivante, on va faire l'augmentation. On fait une maille serrée, 1 deuxième maille serrée, 1 maille en l'air, 1 troisième maille serrée, et dans la maille en l'air ici, on va poser un marqueur. Et 1 quatrième maille serrée. Maintenant, on va faire les 20 mailles serrées de la manche, la première manche. Donc c'est parti. Dans la maille en l'air suivante, 1. La maille en l'air suivante, 2. Et 20. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la deuxième augmentation. On fait une maille serrée, deuxième maille
serrer une maille en l'air. Et à nouveau, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Vous posez le marqueur dans la maille en l'air. Et là, on va faire les 40 mailles serrées du devant. Une et 40. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la troisième augmentation. Une maille serrée et deux. Une maille en l'air. Vous posez le marqueur ici. Et à nouveau, dans la même maille, deux mailles serrées. Une et deux. On va faire la deuxième manche ici, donc 20 mailles serrées dans les 20 mailles en l'air suivantes. Et 20. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la dernière augmentation. Une maille serrée, deux mailles serrées, une maille en l'air. On pose le dernier marqueur. Et au même endroit, à nouveau, deux mailles serrées. Une et deux. Et là, on termine en faisant les 20 mailles serrées qui restent avant d'arriver à la fin. 18, 19 et 20. On retire le marqueur. Et dans cette maille serrée, on fait une maille coulée. Et maintenant, dans chaque augmentation, on va faire des augmentations. Toujours de la même façon, deux mailles serrées, une maille en l'air, deux mailles serrées. Et on démarre toujours le tour de la même façon également, une maille en l'air. Et on va travailler dans les brins arrière des mailles serrées. Une maille serrée et on remet le marqueur. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant toujours le brin arrière jusqu'à arriver à la première augmentation. On arrive ici presque à la première augmentation. Et là, dans la maille en l'air, on rentre et on fait une maille serrée, deux mailles serrées, une maille en l'air, on met le marqueur comme ceci, on contourne, et à nouveau, deux mailles serrées, une et deux. Et là, on reprend maille serrée dans les brins arrière de chaque maille, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante, donc au marqueur suivant. On arrive à la deuxième augmentation, pratiquement. On retire le marqueur. Et dans la maille en l'air, on fait deux mailles serrées, une et deux. Une maille en l'air, on replace le marqueur, et à nouveau, deux mailles serrées, une et deux. Et c'est reparti, une maille serrée dans le brin arrière de chaque maille, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Et ça, les amis, c'est ce qu'on va faire pour chaque augmentation. Et on se voit à la fin du tour. Et voilà, arrivé à la fin ici. Donc faites attention de ne pas crocheter dans cette maille qui est là, ni dans celle-ci, parce qu'on risquerait de faire des augmentations. Celle-ci, c'est la maille coulée du tour précédent, et celle-ci, c'est la maille en l'air
Maintenant, systématiquement, lorsqu'on arrive à la fin du tour, on fait une maille coulée dans le brin arrière de la maille serrée. Et on commence une maille en l'air, une maille serrée dans ce même brin arrière. Et on répète le tour précédent, encore et encore, avec les augmentations à chaque fois, c'est toujours les mêmes, hein. Deux mailles serrées, une maille en l'air, deux mailles serrées. Si vous trouvez que ça grandit trop, eh bien, vous ne faites que trois mailles serrées et vous posez le marqueur au milieu. Au lieu de 4 mailles serrées, vous n'en faites que 3 et vous posez le marqueur dans la deuxième. Vous allez continuer à répéter le même tour avec les 4 augmentations jusqu'à ce que votre top-down atteigne ici le niveau des aisselles. Et on se retrouve à ce moment-là. Au quatrième tour, je vais faire les augmentations, je vais faire 3 en fait mailles serrées d'augmentation dans chaque augmentation parce que je trouve que ça part trop en angle, du coup j'ai peur que ce soit beaucoup beaucoup trop grand. Donc je retire le marqueur et ici au lieu de faire 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées, je vais faire une maille serrée, une deuxième maille serrée dans laquelle je mets mon marqueur. Comme ça, je sais que c'est dans cette maille serrée que je vais venir faire mon augmentation pour le tour suivant. Et une troisième maille serrée. Et je vais faire ça donc pour chaque augmentation à partir de maintenant. Ça va partir moins en angle droit. Voilà, donc 3 mailles serrées dans la même maille. Pour le tour suivant, je ferai mes 3 augmentations, c'est-à-dire mes 3 mailles serrées dans cette même maille serrée ici. Une fois que nous avons atteint la taille ici que l'on souhaite, en largeur, surtout ici, et que ça arrive bien en dessous les bras, on va simplement séparer les manches, c'est-à-dire qu'on va continuer à crocheter le devant et le derrière. Donc on va continuer le point jusqu'au premier marqueur. On va joindre les deux pièces ici. On va continuer sur le devant et on va joindre également les deux marqueurs ici. Donc on va continuer, on va se retrouver ici. Une fois qu'on arrive ici au premier marqueur, on le retire et on fait une maille serrée. Et on prend l'ouvrage de cette façon. On retire le deuxième marqueur. Et à la place, on fait une maille serrée. Et ensuite, on continue. Nous avons une manche ici, le devant, et on va fermer la deuxième manche de la même façon qu'on a fait ici. On va se retrouver à la fin. Maintenant que on a le devant et le derrière, on va continuer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée. On va continuer le point. On va descendre encore un peu plus bas et ensuite on va commencer la mosaïque. Attention les amis, ici il faut que vous ayez un nombre multiple de 11. C'est-à-dire que moi par exemple là j'ai 231 mailles serrées. Il faut que vous ayez un nombre total de mailles serrées multiple de 11 pour pouvoir faire le point mosaïque. Moi j'ai 230 mailles serrées. Je vais en rajouter juste une pour faire 231 et avoir un multiple de 11 du coup. Dans la dernière maille serrée, je vais faire ma
230e maille serrée et dans la même maille, je rajoute ma 231e. Et du coup, j'ai mon multiple de 11. Voilà. Pour savoir si vous avez un multiple de 11, vous avez le nombre de mailles serrées, vous divisez par 11 et vous aurez votre multiple de 11 si vous avez un chiffre tout rond. Et voilà, les amis, j'ai fait quelques centimètres en plus. Ça m'arrive en dessous de la poitrine et à partir de là, je vais commencer le point mosaïque. Donc, je vous laisse avec le tutoriel de lundi. Je vous le mets ici. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et ensuite revenir au tuto du pull. Une fois que vous avez fait toute la partie diagramme, on va terminer en faisant des brides. Donc vous allez faire plusieurs tours de bride jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. Donc on monte deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et la première bride, on la fait en prenant les deux brins. Au même endroit, vous repositionnez le marqueur. Et vous allez faire des brides en prenant les deux brins à chaque fois de la maille. Pour fermer le tour, vous enlevez donc le marqueur. Vous faites une maille coulée en haut de la première bride. Et vous redémarrez le tour suivant. Vous montez deux mailles en l'air et vous faites la première bride dans la même bride. Et vous remettez le marqueur. Ensuite, c'est une bride dans chaque bride. Voilà. Jusqu'à atteindre la hauteur, du coup, la longueur que vous souhaitez. Pour la manche, c'est pareil. Il faut qu'on ait ici un multiple de 11 pour faire le point. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que de là au diagramme, j'ai fait 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Le premier, j'ai fait une diminution. J'ai fait un tour de diminution, une diminution toutes les 10 mailles serrées. Ensuite, j'ai fait 5 tours sans diminution. Et après, j'ai fait, avant le diagramme, un tour de diminution. Donc, une diminution toutes les 9 mailles serrées. Pour avoir ici un total de 77 mailles serrées, un multiple de 11, et ce qui m'a permis ensuite de faire le diagramme. Et par la suite, il y a une série de diminutions petit à petit jusqu'à arriver au poignet. Donc on va voir ça ensemble. Vous faites une maille coulée avec le gris et on va commencer par tout de suite ici, une diminution. Vous voyez, on rentre dans la maille qui est là. On fait une maille en l'air. Et je rentre une fois dans la même maille, une fois dans la maille du milieu ici. Et une fois dans la maille suivante. Ce qui fait que j'ai 4 boucles sur le crochet, je passe dans les 4 en même temps. Je pose mon marqueur. Ensuite, je vais faire 10 mailles serrées dans les 10 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et avec les deux mailles serrées suivantes, je vais faire une diminution. Donc je rentre dans la première et je rentre dans la deuxième. J'ai 3 boucles sur le crochet et je passe dans les 3 boucles en même temps. Alors, vous à la maison, vous allez devoir compter le nombre de mailles serrées que vous avez autour de la manche. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais 93 mailles serrées.
Et en diminuant, donc là je vais faire une série de diminutions sur ce premier tour. Ensuite je vais faire 5 tours sans diminution. Et ensuite un autre tour de diminution. Ce qui fait que il faut espacer en fait les tours de diminution. Il ne faut pas les faire les uns après les autres, sinon ça va faire vraiment trop diminuer d'un coup. Donc il faut que vous à la maison vous fassiez un petit calcul. Et moi je vous conseille de faire des diminutions de 10 par 10. Le premier tour de diminution, ensuite vous faites 5 tours sans diminution, un tour de diminution, vous voyez, petit à petit, sinon c'est pas beau. Donc à nouveau 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et avec les deux suivantes, une diminution. Donc je rentre dans la suivante, je ne ferme pas la maille serrée et je rentre dans la suivante. Et là, je ferme en passant dans les trois boucles. Lorsque vous arrivez à la fin, vous avez fait une diminution toutes les 10 mailles serrées. Vous enlevez le marqueur et vous faites une maille coulée dans la maille, dans le brin arrière de la maille serrée, de la première. Et puis vous faites 5 tours sans diminution. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. On commence par une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la première, dans la même maille. Et ensuite, bah, une maille serrée dans chaque maille. Et on va faire 5 tours. Donc on se voit à la fin du cinquième tour. Je vais vous montrer le deuxième tour de diminution avant le diagramme. Une fois le cinquième tour terminé, on va faire un tour de diminution ici. Et moi, dans mon cas, pour avoir 77 mailles serrées, je vais faire une diminution toutes les 9 mailles serrées. Donc pareil que le tour de diminution avec les 10, on va faire 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, afin d'avoir un multiple de 11. Une fois qu'on a nos 77 mailles serrées, alors vous pouvez faire 77 ou 88, ou ça dépend de la largeur que vous voulez, bien sûr, de la manche. On va pouvoir faire le diagramme et on se retrouve après pour la suite de la manche. Une fois qu'on a terminé le motif sur la manche, on va commencer à faire des tours de bride et des diminutions. Alors, pour le tour suivant, on va faire un tour de bride. Ah oui, alors. Ici, lorsque vous avez terminé, vous prenez les deux brins de la bride. Vous faites la maille coulée avec les deux brins. Et maintenant, on va travailler avec les deux brins à chaque fois de la bride. Donc on monte deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur et on fait la première bride dans la même maille. On remet le marqueur et tout simplement on va faire une bride dans chaque maille serrée et chaque bride en prenant à chaque fois les deux brins de la maille. Pour le tour suivant, on va faire une diminution toutes les 10 brides. Donc on ferme, hop. On monte deux mailles en l'air et on fait la première bride au même endroit. Donc, une. Et on va compter 10 brides. Une, deux et 10. Et avec les deux brides suivantes, on va faire une diminution. Alors, on va prendre le brin avant. Le brin qui est vers nous, on rentre et on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Un jeté dans le brin avant de la bride suivante, on rentre et on va faire comme si on allait faire une bride. On passe dans les deux premières boucles et on ne la termine pas. Nous avons trois boucles sur le crochet et on fait un jeté et on passe dans les trois boucles en même temps. À nouveau, 10 brides dans les 10 brides suivantes. Une, deux. Et 10, et à nouveau une diminution avec les deux brides suivantes. Donc on fait un jeté,
on rentre dans le bras avant, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas, un jeté, on rentre dans le bras avant de la bride suivante, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Donc on passe dans les deux premières boucles. Nous avons trois boucles sur le crochet et on passe dans les trois boucles en même temps. À nouveau, 10 brides, une diminution, 10 brides, une diminution jusqu'à la fin du tour. Voilà, ici on termine par 5 brides après la dernière diminution. On va faire 5 tours sans diminution, une bride dans chaque bride, et ensuite on recommencera les diminutions. Une fois que vous avez terminé les 5 tours, vous allez refaire un tour de diminution en faisant 10 brides, une diminution, 10 brides, une diminution jusqu'à la fin du tour. Alors, moi, ma manche, elle mesure 44 cm. Donc, si vous avez envie de la faire plus longue, vous augmentez le tour de bride entre les diminutions. Et si vous avez envie de la faire plus courte, eh ben, vous raccourcissez simplement, vous faites moins de tours entre les diminutions. Maintenant, on va faire 4 tours sans diminution, une bride dans chaque bride. Après les 4 tours de bride, on va faire un tour de diminution. Une diminution toutes les 10 brides. Maintenant, on va faire 3 tours de bride sans diminution. Pour le tour suivant, on va faire encore un tour de diminution. Une diminution toutes les 10 brides. Pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée. Donc, on monte une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la première bride. Et simplement, une maille serrée dans chaque bride. Pour le tour suivant, on va faire une diminution toutes les 2 mailles serrées. On commence par faire une maille en l'air, on fait une maille serrée dans la maille serrée suivante. Dans la suivante, on va faire une diminution en prenant le brin avant. On rentre dans la maille, dans la maille serrée suivante. Et ensuite, on rentre dans le brin avant de la maille serrée suivante. Et on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille serrée dans la maille serrée suivante, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Avec les 2 mailles serrées suivantes, une diminution, on rentre dans le brin avant de la première et on prend du fil. Et on rentre dans le brin avant de la deuxième et on prend du fil. Nous avons 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. À nouveau, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée sans diminution, une maille serrée dans chaque maille serrée. Avant de faire le tour suivant, vérifiez que le poignet vous convient, hein, parce que moi je vais faire encore un tour de diminution. Et là, cette fois-ci, je vais faire une diminution toutes les 3 mailles serrées. D'accord? Donc une diminution, oula, toutes les 3 mailles serrées et on se retrouve à la fin du tour. On va faire un dernier tour de mailles serrées avant de faire le point élastique. Pour mon point élastique, je vais monter 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 pour avoir une longueur ici de 15 mailles serrées. Donc je vais faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air, ce qui va me faire une maille serrée dans chaque maille en l'air, 2, 3, 14 et 15. Ensuite, sur notre tour de maille serrée ici, dans la maille serrée ici suivante, on va faire une maille coulée. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Ensuite, on tourne. Et on va sauter les 2 mailles coulées que l'on vient de faire. Et dans la première maille serrée, en prenant bien le brin arrière de la maille, on va faire une maille serrée. Et on va les compter. Une, deux, faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière. 3, 4, 13, 14 et on n'oublie pas la
15e. C'est pour ça qu'il faut bien les compter en fait. Et 15. Ici, pour redémarrer, on va faire une maille en l'air et on tourne. Dans la même maille serrée ici, en prenant le brin arrière, on va faire la première maille serrée. Une. Deux. Trois. 13. 14. Et 15. Et ensuite, on fait la même chose. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et après, c'est reparti. On va faire des rangées comme ça. Deux mailles serrées sur tout le contour du poignet. Une fois que le tour est terminé, on va pouvoir fermer. Passer le fil de l'autre côté ici et on va faire des mailles coulées sur toute la longueur. On passe ici d'un côté. Vous prenez un seul brin et vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à l'extrémité. Arrivé à la fin, vous faites une maille en l'air. Coupez le fil et vous passez à travers. On va faire une finition sur le col. On monte un nœud magique et on se place à l'arrière ici. Là, on va avoir les mailles coulées, enfin, la chaînette en fait, pas les mailles coulées, la chaînette de base. Vous allez rentrer dans une des mailles en l'air, enfin je dis maille en l'air parce qu'en fait on va avoir qu'un seul brin, on va travailler que sur un seul brin, on monte une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même maille, on va pouvoir cacher le petit fil et on va faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à la première augmentation du col. On arrive ici à la première augmentation, vous voyez, ça fait vraiment un angle. Pour retirer cet angle, on va faire une diminution ici avec les trois mailles qui sont là. On rentre dans la première et on ne ferme pas la maille serrée. On rentre dans celle du milieu, on ne ferme pas et on passe dans celle de l'autre côté et on ne ferme pas. On a quatre boucles sur le crochet et on passe dans les quatre en même temps. On va faire ça pour les trois augmentations restantes. Et entre les augmentations, on fait une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez, on va arrondir ici. Pour le tour suivant, je vais prendre le gris. Je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière. Et je prends le gris et je le passe. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et je vais compter les mailles serrées. Une maille en l'air. Je laisse le blanc puisque je vais l'utiliser juste après. Et on compte. Une. Deux. Voilà, j'ai un total de 117 mailles serrées. J'ai divisé par 3 et j'ai un chiffre rond. Donc je vais pouvoir faire en fait 3 brides, 3 mailles serrées, 3 brides, 3 mailles serrées. Moi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez un chiffre pair ou multiple de 4, vous faites 4 brides, 4 mailles serrées, 4 brides, 4 mailles serrées, comme je vais vous montrer maintenant, ou 2, vous voyez. Alors, vous fermez, bien sûr, enfin, vous prenez le fil blanc. Et on va commencer par une maille en l'air et une maille serrée. Une. Moi, je vais faire 3 par 3. Donc, je vais terminer ici. Je vais commencer par une maille. Alors, comment dire, comment expliquer Je vais commencer par une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans la suivante. Et dans la suivante, en fait, ici, je vais faire 3 brides en mosaïque. Et je terminerai par une maille serrée qui viendront compléter les deux premières.
D'accord? Ok, je vais faire 3 brides. Ok, et ensuite, dans les 3 mailles serrées suivantes, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. À nouveau, dans les 3 suivantes, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les 3 suivantes, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va continuer comme ça tout le tour. Je vous dis, faites le calcul comme je l'ai fait. Si c'est un chiffre pair, vous pouvez faire multiple de 4, multiple de 2, donc 2, 2. Et si c'est des chiffres impairs, soit 3, soit 6, voilà. Ça dépend de combien vous aurez de mailles serrées. Pour la bordure du bas, on va faire la même chose, sauf qu'on va commencer en faisant un tour de maille serrée en gris, ensuite un tour de maille serrée en blanc, et ensuite les brides des mailles serrées en mosaïque, comme ça, en gris. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao !